Bonjour à tous et bienvenue dans l'Académie d'Orléans-Tours. Je suis Anne Dupuis, je suis la directrice des ressources humaines de l'Académie. La direction des ressources humaines, ce sont plus de 120 personnes à votre service. La mission première, c'est assurer votre rémunération. Les services de la direction des ressources humaines sont aussi là pour gérer votre carrière, vos promotions, vos affectations, votre mobilité. C'est donc le service avec lequel vous serez en relation quand vous souhaitez une mutation. Nous nous occupons également bien sûr de votre retraite. Alors même si vous venez d'intégrer l'éducation nationale, ce n'est pas encore une question à l'ordre du jour, mais cela viendra. Et donc sachez que c'est bien la direction des ressources humaines qui est en charge ce secteur. Donc au-delà de ces opérations qui sont des opérations de masse, puisque vous le savez, vous êtes plus de 43 000 agents dans l'Académie, nous nous attachons au quotidien à une gestion plus individualisée de toutes les carrières et de toutes les situations. Nous nous occupons en particulier d'action sociale. Nous nous occupons également d'égalité entre les hommes et les femmes et de diversité. Pour cela, le pôle d'accompagnement d'appui aux ressources humaines est à votre disposition. Nous nous occupons également de recrutement. Au-delà des concours, nous recrutons beaucoup de contractuels et je sais que vous êtes nombreux. La cellule ressources humaines, qui a été créée il y a quelques années, est également là pour vous accompagner au plus près de votre exercice dans l'Académie d'Orléans-Tours. Égalité, diversité, cellule internationale pour la mobilité, accompagnement des situations difficiles. L'Académie a également développé un programme de ressources humaines de proximité au travers de correspondants ressources humaines de proximité, les CRHP, également au travers du dispositif des délégués territoriaux des ressources humaines. Ce qui nous permet d'avoir avec vous une relation beaucoup plus individualisée que dans les grandes opérations de gestion que je vous ai décrites. Pour toutes les grandes opérations de gestion des personnels, des circulaires vous sont envoyées et sont publiées sur le site de l'Académie. Également, nous nous attacherons cette année à vous proposer des webinaires pour vous expliciter l'application des circulaires. En particulier, nous ferons des webinaires pour vous expliquer comment participer au mouvement, comment demander votre mutation et vous expliquer quelles sont les différentes étapes de ce mouvement. L'Académie d'Orléans-Tours, ce sont 43 000 agents, de statuts très différents, titulaires, contractuels, sur des métiers très différents et très variés, des métiers de l'enseignement, des métiers de la vie scolaire, des métiers de l'inspection. Nous avons également les personnels de direction, les personnels administratifs, les agents de laboratoire, etc. etc. Au service de toutes ces populations, les services de la Direction des ressources humaines et des départements sont là pour vous aider dans votre carrière. Le bien-être au travail est un axe fort de notre projet académique. La qualité de vie au travail est tout particulièrement recherchée et toutes les équipes de ressources humaines sont à votre disposition pour vous aider à trouver le meilleur rythme possible et à vous épanouir dans vos missions dans notre académie. Alors encore une fois, bienvenue à tous dans notre belle académie et je vous souhaite une très belle année scolaire.